C'est la dernière ligne droite avant l'ouverture du Disneyland de Shanghai le 16 juin prochain. Le parc sera-t-il prêt à faire face à l'afflux des fans de Mickey? La réponse en images. Le gouvernement municipal de Shanghai a pour objectif de bâtir une zone touristique moderne qui puisse servir de modèle pour les futurs projets du marché touristique très dynamique de la Chine. Il va en effet créer une zone internationale de tourisme et de loisirs, dont Disneyland sera le cœur. Les autorités affirment avoir mené des tests dans le parc en prévision de son ouverture. Le 18 mai, le cœur de la zone était ouvert depuis 23 jours. Nous avons reçu plus de 960 000 touristes. Le nombre de touristes a atteint un pic durant les congés de mai. Quelques 110 000 touristes ont visité notre parc d'attractions. Depuis que la zone principale a ouvert, son activité s'est déroulée de manière sûre, stable et ordonnée. Mais plus d'une centaine de zones pourraient connaître des améliorations. Cela couvre le transport, la sécurité et les opérations, ainsi que l'afflux de touristes et les urgences. Nous avons une certaine expérience de la gestion de foule et de gestion du public, et cette expérience va jouer dans la manière dont nous gérons le parc et toutes les zones ouvertes au public sans ticket. Nous avons conçu un plan d'intervention d'urgence et mené des tests d'intervention d'urgence. Une équipe d'intervention d'urgence sera opérationnelle 24 heures sur 24 dès l'ouverture du premier Disneyland de la partie continentale de Chine.